Oui! Parfait. Vite, allons faire du Quidditch. Oublions toutes ces galères. Oublions ces nuits de mer à Poudlard et cette journée J'ai du mal. J'ai un peu du mal à parler. Cette journée qui a mal commencé à Poudlard. Et on verra. Le problème, c'est pas tellement le jeu, en fait, c'est une histoire de skill. Est-ce que... Oh putain, ils vont parler, eux. Ah, Potter, tu as passé une bonne soirée hier? Oui, mais je t'ai défoncé, Malfoy, hein. Enfin, je veux pas spoil, mais t'es au courant, quoi. Bah, je suis Allez, sûr que c'est gamin, Ron qui nous a allons fait jusqu'au bugger tout à terrain l'heure. de Parce que Ron, Quidditch. il se met aux portes, et du coup, je suis sûr qu'il nous a fait planter. C'est cet enfoiré. Alors après, je veux pas rouspiller. Mais je pense que c'est lui. Alors, je tiens à préciser qu'on va se taper 3 temps de chargement. Hein. Juste, je vous le dis. Oh, les musiques par contre. Pff, je le dirai tout le temps. Hein. Mais les musiques sont ouf. Les sabliers indiquent à tout moment quelle maison a le plus de points. Et donc, on perd. Oh là là. J'espère que vraiment à la fin du jeu on va gagner. J'espère qu'on aura la coupe. Est-ce que. Putain, je me rappelle plus, ça se trouve on peut vraiment perdre. Genre, si on n'a pas la coupe, on a une mauvaise fin. Je ne pense pas que c'est ça. Hein. On se calme, on est sur Harry Potter quand même. Mais ça serait drôle que ça soit ça. Parce que j'ai pas du tout l'intention d'avoir la coupe à la fin. Parce que j'ai pas du tout l'intention de garder tous les points que j'ai à ce moment. Donc Ah bah voilà, Hunter qui a compris mes blagues. Je suis content. Voilà, c'était vraiment une bonne blague. Je pense qu'elle sera dans les apps. Oh, ah, par contre, il y a les araignées, quoi. Parce que vous savez, il faut suivre les araignées. Ça, c'est fou qu'elles soient déjà là. Ah, mais attendez. Hop. Cassez-vous. Oh. Oh putain, Harry, tu prends le chien. Ouais! Oh putain, c'est trop bien. Ça va, Ron? C'est pas trop la galère? Parce que Ron a un balai, hein, lui aussi. Hein. Ah non, mais Harry, avance! Ron va arriver avant nous, il est à pied, Harry. Alors, je veux pas te stresser, hein, mais c'est chaud. On va aussi vite que Ron, en fait. Hein. C'est triste, hein, cette histoire de balai, là. Hop! Ça va? Allez, Harry! Va montrer à Pouf Souffle comment on joue au Quidditch! Ouais, calme-toi. Calme-toi, je viens de voler en balai il y a 2 secondes. C'était pas. Voilà, j'étais pas un pro. Hein. Je tape un peu dans le micro, ça vous dérange pas? On va gagner. Pourquoi on va gagner? Parce que je suis dans l'équipe. Waouh, Harry ce beau gosse. Putain. Souffle dispose d'une bonne équipe cette année. Et Gryffondor a tout à gagner avec son attrapeur vedette, Harry Potter. Harry Potter. L'attrapeur de Pouf Souffle est à la traîne depuis un moment. D'accord, bah ça fait plaisir. Hein. L'attrapeur de Pouf Souffle risque d'avoir du mal à rattraper son retard. Ouh, ses tacles n'étaient pas très réguliers. La réception de Johnson. Alors, on a le turbo qu'on va utiliser. Tout de suite. Oh là, c'est horrible à jouer avec le turbo. Oh, on a 10 points, on a les points en bas à droite et... Bah, il vient d'où lui? Non mais il vient d'où lui? Active ton turbo, Harry. Vite, nique-le. Ah, j'ai pris un cognard. Ah, il m'a tapé. Ah. L'attrapeur du pouf souffle se faufile en tête. Non mais dégage le pouf souffle. J'ai un turbo moi. Oh, c'est le match.
On m'a tapé. Oui. On est trop fort. Les vainqueurs peuvent être fiers. C'était un très bon match. Regardez lui là, il bouge plus. Paralysé par la peur. Alors, oh, Serpentard, eux, ont gagné contre Serdaigle. Mais genre, Serdaigle ont mis 70 points quand même. Alors que nous, ils en ont mis 0. Et ça, c'est le talent. Ça, c'est quand même, je pense qu'il faut le souligner. Il va falloir le dire, il va falloir le mettre dans mon bulletin. Et à la fin de l'année, que ce soit marqué dans les appréciations. Parce que ce n'est pas rien quand même. Alors ouais, c'est Pouf Souffle. Mais quand même, c'est quand même. Je pense qu'on est bien. On va gagner la Coupe du Monde de Quidditch, c'est sûr. Sûr et certain. Par contre, le Poudlard en carton, il est vraiment moche hein, sur ce temps de chargement. Vous êtes au courant ou pas? Salut! Ce qu'il va le dire, attention! Oh. Bien joué, Harry. Tu dois être exténué. Moi, je tombe de sommeil. Je vais me coucher. Il va tout le temps dormir, Ron. Tête d'Harry. Harry, en fait, il est juste stone. C'est juste l'élève qui se drogue après les cours, quoi. On est parti. J'aurais pas dû arrêter ce menu parce qu'il faut finir la journée. Et oui, c'est une belle journée qu'on a vécue à Poudlard avec des bugs, des cours de torture. On a vécu une sale nuit aussi, donc on n'a pas beaucoup dormi, du coup. Et là, est-ce que nous sommes en tête de la coupe des quatre maisons? Suspense. Suspense grave. Dumbledore, à toi. Vas-y, fais-nous rêver. Allez, vas-y, hein, par contre. Ah, vas-y. Merci. Nous calculons le nombre de points des maisons. Serpentard. Pardon? D'où? D'où ils ont tout ça? Putain, ils nous ont raquettés cette nuit, hein. Je veux pas balancer, hein. Ah, quand même, Serdaigle, pas mal. Ouf souffle. Ah, oh, Pouf Souffle, quoi, les paumés. Ah, eux, ils servent à rien. Soit ils font beaucoup de bêtises, soit ils sont vraiment nuls. Attention, attention. Ils avaient 299 points, Serpentard. Genre! Mais j'ai risqué ma vie aujourd'hui, hein, monsieur. Serpentard est tenté. Ils vont pas laisser le temps de la finir la cinématique. Hop, ils coupent. Ça, j'ai jamais compris. Hein. La note, on s'en bat les couilles. Fallait finir votre cinématique. Hein. Vas-y, finis-la. Hein. Merci. Quand même. C'était quelque chose. Alors, du coup, on vit notre dernière nuit et je pense qu'après, on s'arrêtera là. Pour aujourd'hui. Voilà. Ah, je me suis fait très mal à l'oreille. On s'arrêtera là pour aujourd'hui parce que voilà, j'avais dit petit stream, en fait je pensais streamer jusqu'à 23h, mais j'ai envie de jouer encore, donc on y va. Mais le problème c'est que la nuit c'est vraiment, c'est Koh-Lanta quoi, si tu survis pas t'es fini, tu meurs. Oh putain, et puis Ron est déjà là quoi, attends on va sauvegarder parce qu'on connaît les bails, hein. Ça va. On va sauvegarder là, on sait jamais. Tu vas pas le croire, Harry. Hermione veut qu'on la retrouve dans les toilettes pour filles au deuxième étage. Elle dit que Crème, un plan pour découvrir. Je t'avais promis qu'on serait allé dans les toilettes avec Hermione. Ah bon? Ah bon? Oui. Dépêche-toi. Harry, il a aucune âme. Deuxième étage. Arrête de gueuler. Mais elles sont hantées, non? Oui alors, je vois pas le problème, Harry. Tu t'es fait défoncer par des fantômes toute la nuit, toute la journée. Je pense que on est plus assez près à un niveau fantôme. C'est quel étage il a dit? Est-ce que j'ai pas écouté en fait? Est-ce que vous pouvez me dire l'étage ou pas? C'est sur quoi la console? C'est sur PS2. Oui, Crum, c'est maintenant, ça y est! Moi bon, j'ai pas ma cape par contre, mais t'inquiète. Y a pas besoin de cape. Douzième, mais quel connard. Putain. Le deuxième, ok. Peut-être, je ne sais pas. Écoutez, peut-être qu'il va avoir Ron avec nous. Harry, on voit dans ta tête hein. Oh, je voulais voir encore dans sa tête. Sixième, étude de runes. Attends. Salle de classe.
salle de classe. Y a pas de toilette au sixième. On va aller voir au deuxième. Ah mais oui, les toilettes des filles. Mais c'est là où il y avait le troll, non? C'est ça? C'est celle-ci? Pas le troll, dans le 1 quoi. Pas dans le 2. Mais dans le 1 il y avait un troll, c'était vachement bien quand même. C'était un beau combat. Oh. Hermione, tu es là? Est-ce que c'est les bonnes toilettes? Ah bah vu la lampe, je pense que tu es là. Pourquoi tu marches, Harry? Hermione? La tête. C'est les toilettes pour filles ici. Et c'est pas une fille? Non, ah bon? Désolée, Mimi. Je voulais juste lui montrer comme c'est joli. Prends la gueule de Mimi, quoi. J'aimerais bien qu'on arrête de m'embêter tout le temps. Même si je suis morte, j'ai quand même une sensibilité. C'est Lucas. Ah, Harry. Alors c'est quoi ton plan, Hermione? Découvrir qui est l'héritier de Serpentard pour savoir qui veut renvoyer les enfants de non-magiciens de Poudlard. En tout cas, ce n'est pas moi. Tu crois que ça pourrait être Malfoy? Peut-être, mais comment le prouver? Il faudrait lui poser quelques questions, sans qu'il s'aperçoive que c'est nous. Je pense à la même chose et c'est pour ça que j'ai préparé du polynectar. Du polynectar? Il permet de prendre Jean-Michel Cadreur, vous êtes où là? La caméra, un autre cadre, vite. Nous dirait tout ce qu'on veut savoir. J'ai volé une mèche de cheveux à Goyle en cours de métamorphose et je l'ai ajoutée à la potion. Allez Harry, bois et tu ressembleras à Goyle. Oh non! Non! Ne fais pas ça Harry, t'es pas obligé. Mais d'où elle sort cette fille? Non Harry, pas lui, pas Goyle. Non! Et par contre Ron il est où là? Ah monsieur, on va dans les toilettes avec Hermione. C'est horrible. Attention le cut de la vie. Ah non, oh on le voit se métamorphoser. Ah ça c'est, ah, c'est bien. Bravo. Bravo, bravo. Est-ce que ça va? Oh, ça peut aller. Pourquoi tu te forces dans ta voix, Harry? T'es pas devant Malfoy, là. Essaie de trouver Malfoy. Il traîne souvent dans les cachots à cette heure-ci. Mais j'avoue, qui a choisi... Enfin, ceux qui ont fait le jeu, ils sont cons, quoi. Ils ont pas vu les films pour avoir la prononciation des noms, quoi. À quel moment ils se sont dit, tiens, on va dire Harry Potter et pas Harry Potter. Et Granger, on va l'appeler... Granger, on va l'appeler Granger. Et Malfoy, on va l'appeler Malfoy. Je comprends pas. Mais par contre, Ron, il est vraiment pas une nous, quoi. Le mec m'a envoyé ici, mais... Par contre, Hermione, tous les soirs, elle m'envoie à l'abattoir, en fait. C'est ça, les bails. Par contre, elle m'a dit d'aller où? Je ne sais pas où c'est le truc. C'est pas dans le... Ah, je crois que c'est dans les donjons. Enfin, dans les donjons. Dans les cachots. Je crois que c'est ça. Parce que je crois qu'ils ont pas fait la... La maison de Serpentard en pièces, là. Je sais plus le nom. Attends, je pense que... Parler dans les cachots, ok, c'est pas ça. Putain, on est beau, hein. Je pourrais profiter pour faire enlever tous les points à Serpentard. Je me fais choper par tous les préfets. Hop, Serpentard a retiré 50 points. Je le fais 3 fois. Ils ont plus de points, on est en tête. Bah ouais. Bah il fallait faire ça, Harry. Je comprends pas pourquoi il a pas l'idée, hein. Les temps de chargement... Salut. Ah, on se rappelle de ce moment-là. Il y a encore les araignées. Hein. Mais personne panique. Il y a quelqu'un dans le coin. Hey. Cours! Mais ouais, mais du coup, comment ça se passe? Ils vont tirer les points à qui là? Il m'a tiré dessus. Hein. Le gars m'a tiré dessus quand même. C'est bien parce que du coup, on venait de se le taper de ce temps de chargement, donc on est bien. Là on est vraiment bien, là on est content. Là on est Elle va être longue cette nuit.
Non mais vas-y, du coup retourne-y, mais... Pourquoi il m'a vu? D'habitude il me voit pas. J'aimerais qu'on en parle. Et encore, on a de la chance qu'il nous ramène pas genre tout en haut, dans la salle de Gryffondor. Parce qu'il pourrait faire ça, il y a des jeux, il te ramène au point de départ. Il pourrait faire ça, alors que là, non, ça va. Mais ça serait chiant. On va se cacher là. Comme ça, on est tranquille. Et après, on va sprinter. Vous êtes prêts? Sprint. Attendez. On va attendre encore un peu. Sprint! Vas-y. Vas-y, Gold. Les cachots. Les cachots, c'est vachement bien. Les araignées, c'est pour te diriger vers ton objectif. Non, je pense pas. Enfin, il nous l'a... Non, je pense pas. Je pense que les araignées, c'est pour le passage où Hagrid, il va dire qu'il faut suivre les araignées. Je pense pas que c'est pour suivre les objectifs. Sinon, il nous l'aurait expliqué un moment dans le jeu, quand même. Bah, par contre, je ne vois pas où ils sont. Drago est en bas, et il te cherche. Ah putain, on est tranquille ici. J'arrive. Cachot de Serpentard. Mais les mecs n'ont même pas de chambre à coucher. Ils les ont foutus dans les cachots, quoi. Déjà, à partir de là, les Serpentards, on les respecte plus. Salut! Tu sais, Goyle, ça m'étonne que la Gazette du Sorcier n'ait pas encore parlé des attaques. On en a vu qu'une attaque. Doit essayer d'étouffer l'affaire. Calme-toi, on n'a pas vu Ruzard et sa chatte. On n'a pas vu Dumbledore comme directeur. Comment il s'appelle le blond? Il est arrivé de pire à l'école. Il adore les enfants de non-magiciens. Un autre directeur n'aurait pas accepté une sang de gourbe comme... Arrêtez de dire ça. Et Saint Potter, l'ami des sang de gourbe, il se conduit même pas comme un sorcier. Dire que certains pensent que c'est l'héritier de Serpentard. Si seulement je savais qui c'était, je l'aiderais, c'est sûr. Mais tu dois bien avoir une petite idée de qui c'est, non? Tu sais bien que non, Goyle. Combien de fois faut-il te le répéter? En tout cas, je sais que la dernière fois que la chambre a été ouverte, une sang de bourbe est morte. Il y aura sans doute un autre mort bientôt. J'espère que ce sera Granger. Ouais, Drago, il faut que j'y aille. Quelqu'un l'envoie en prison, lui? Aux toilettes. À l'infirmerie. Oui, à l'infirmerie. J'ai mal au ventre et il me faut quelque chose pour... Oui? Allô, le jeu? Allez, vas-y vite avant que ton gros ventre n'explose, Goyle. J'ai cru que ça avait bugué. Il faut que je parte d'ici, et vite. Ok, mais plus jamais ça, hein. Plus jamais de peur comme ça. C'était horrible, il a duré trop longtemps ce plan. En fait, j'ai appuyé croix, donc je sais pas s'il fallait appuyer croix ou pas, mais du coup, je sais pas. Bon, bref, on va essayer de speedrun un peu tout ça. Vous êtes les pires préfets du monde, salut. Bon, par contre, là, ils étaient nuls. On est d'accord ou pas? Ok, on se le dit. Par contre, là, c'est les préfets en mode Splinter Cell. Eux, ils déconnent pas dans le hall. Alors, eux, pour sortir de Poudlard, faut y aller. Hein. Du coup, Calmos. Calmos Ramos, on y va doucement, mais sûrement. Après, c'est en chargement. Mais je m'en plains plus, vous avez vu? Je me plains plus des temps, je les subis maintenant. Bonsoir. Tu vois, les araignées, ils vont vers dehors. Les araignées, ils vont vers dehors, en fait. Donc, ils disent pas l'objectif. C'est juste qu'ils sont là, mais on sait pas pourquoi. Mais en fait, si, ils sont là parce que
On a vu Nick et on a peut-être dû voir des araignées dans la cinématique, je me souviens plus. Mais en fait, on a vu que Nick quasi sans tête, pétrifié. Colin Rivet. Je crois que c'est ça, le blond qui se fait pétrifier avec son appareil. On l'a pas vu. On n'a pas vu la chatte de Ruzard. On n'a rien vu en fait. On a vu qu'une personne. Mais ça, c'est mal foutu. Hein. On a vu qu'une seule personne se faire pétrifier. Alors peut-être qu'on va avoir une autre ici. Hein. Mais je ne crois pas. Mais du coup, c'est nul. On comprend pas l'histoire si. Merde, attends, c'était au deuxième, je crois. Si tu connais pas l'histoire d'Harry Potter, si t'as pas lu les livres et encore moins vu les films, bah tu comprends pas ce qui se passe. Parce que c'est mal foutu en fait. C'est très vite expédié ou alors t'as des trucs qui servent à rien qui pourraient enlever et mettre des trucs qui où on apprend un peu plus sur l'histoire. Enfin, c'est bizarre en fait. Les jeux Harry Potter sont. Mais encore, c'est pas les pires. Hein. Celui sur PC, c'est les pires versions pour moi. Donc c'est chelou. Mais bon, comme Zao le dit, c'est chelou. C'est pas lui, Malfoy n'est pas l'héritier de Serpentard. Mais Aaron, t'étais où? Mais... attention, il y a des araignées là à côté. Juste en dessous. Je ne sais pas, mais c'est forcément quelqu'un qui était à Poudlard il y a 50 ans, quand la chambre a été ouverte. Bien joué, Harry. Bien joué. À demain matin. Ok. Oh, alors, elle repart comme une diva, bonne quoi. Nuit, Harry. Salut, Ron. Oh putain, cette nuit, elle était pas longue, hein. Cette nuit, elle était pas très longue. Merde. Oui, c'est select. C'est select. Parce qu'en fait, j'avais dit qu'on arrêterait après cette nuit. Mais j'ai envie de continuer. En fait, il est que 23h13, donc ça va. Je me suis dit, ouais, bon, on va streamer jusqu'à 23h40, minuit. Tu vois, et après, tout au lit. Mais je sais pas. En fait, ça dépend. Est-ce qu'on a un cours ou pas, quoi? Est-ce que je suis prêt à vivre un nouveau cours? Ça, c'est la question hein, qu'on se pose tous. Hein. Parce qu'en soi, je pense que la prochaine nuit, c'est la fin. Je pense que la prochaine nuit, c'est la fin du jeu. Hop, tu supprimes ça. Oui, vas-y. Sauvegardons parce qu'on prend pas de risque. La caméra, je suis parti. Cette caméra de merde. Salut Ron, qu'est-ce qu'on a comme cours ce matin? Enchantement avec Flitwick. On se retrouve au deuxième étage. Pas lui. Oh putain, bon allez, on va au cours. C'est parti. Salut. Ginny se comporte bizarrement ces temps-ci, Harry. Tu pourrais veiller sur elle? Non. Les gnomes ont des têtes bossues. Elle m'a mis un putain de vent hier. Je vais pas veiller sur elle. Je m'en bats les couilles. Hein. Écoute, c'est ta sœur. T'as ton frère qui est aussi. T'as tous tes frères qui sont à l'école. Je suis pas ta mère. Bon, là c'est deuxième étage. Je me souviens. Régis de Cadar fait mal son boulot. Mais c'est même pas qu'il fait mal son boulot. C'est qu'il est absent, le gars. Le gars est en pause toutes les deux secondes. Pendant les temps de chargement, allez liker toutes mes vidéos. Comme ça, bah moi je serais content et puis vous, ça vous fait attendre et faire quelque chose. Allez. Bah alors Ron, t'attends quoi là? Mais attends, oh! Parle-moi! Mais casse-toi! Mais Ginny! Oh putain! Je crois que Flitwick va nous apprendre à lancer un incendio. Allons-y, Harry! Mais attends, deux secondes, Ron. Ton prof, là, il nous a pas appris incendio l'année dernière? Est-ce que t'es en train de me dire, Ron, que je vais risquer ma vie pour un sort que j'ai appris déjà l'année dernière? Est-ce que c'est ça que t'es en train de me dire, Ron? Parce que si c'est ça, eh bah Flitwick, là, il est pas très sympa. Vraiment. Au pire, va le chercher, toi, Incendio, et tu me dis comment ça marche après. Mais j'ai pas envie de revivre ça. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à lancer le sortilège bien nommé des pirates de campagnule. Ah oui.
Il est là. Regardez. La condition exacte de cet enchantement est incendio. Vous noterez qu'une brèche s'est formée dans le mur. Au-delà de celle-ci se déroule le défi incendio. Veuillez approcher, s'il vous plaît, Monsieur Potter. Harry, il a tourné la tête. C'est comme on a tous fait ça en cours, quand la preuve va t'interroger, tu tournes la tête pour pas qu'elle t'interroge. Mais il a fait pareil. Se trouve de l'autre côté de cette brèche. Lorsque vous l'aurez récupéré, il sera à vous. Une fois terminé, revenez en cours. Entendu, Monsieur Potter? Pourquoi vous êtes un robot? Oui, professeur. Calme-toi, Harry. Très bien. Alors, ne perdez en pas vrai, on n'est pas content comme ça. Et eux, ils vont faire quoi, en fait, pendant ce temps-là? Ils vont regarder un film? D'accord. Ma grosse ambiance. Super. Vous êtes prêts? Incendio. Quoique, l'année dernière, le cours Incendio, c'était plutôt bien. Je dis ça, je dis rien. Mais c'était plutôt bien. Est-ce qu'on va revivre un bon cours? Ça, c'est tout le suspense. Hein, mais l'année dernière, c'était bien. Vraiment. Je vous jure. On va finir en merguez. Hein. Oh putain, vous êtes content ou pas? Ah, direct. Salut. Est-ce que vous êtes content de le retrouver? Ah, c'est bon, j'ai le sort. Parce que moi, je suis vachement content de le retrouver. Parce que les mecs ont pas eu d'idée de cours. Du coup, ils se sont dit, bah tiens, mets la gargouille qui veut tuer les élèves dans chaque cours. Et fais-les faire des défis de sorciers à chaque fois. Parce que c'est ce que les gens ont préféré dans le film. Mets-le à fond. Vas-y, fais-toi plaisir. Et bah merci. Enfin je crois. Je sais pas mais merci. En tout cas c'est bien parce que ce genre de boss, je peux jouer à une main. Tu vois? Voilà. Donc on est plutôt bien. On est plutôt content. Ça fatigue pas moi. On est en mode détente. On chill. Voilà. C'est vraiment bien. Enfin, le gameplay des batailles comme ça, de sorts là. Enfin, putain, c'est pas ce qui m'avait marqué. Pardon. Ah non, il a sorti la mitraillette. C'est pas ce qui m'avait marqué à l'époque. Hein. Mais ça m'avait manqué. Hein. Déjà la gargouille, j'aimerais qu'on en parle. Et c'était bien. Alors, je n'ai plus de vie. En soi, on pourrait croire que le donjon est fini. Or, ce n'est que le début. Donc, je n'ai plus de vie au début du donjon. On n'est pas... Voilà, on n'est pas très bien. Oh merde. Pas eux. Non, ils en ont mis plein! Regardez, il y a le livre du sort là. Oh putain, ils ont mis tellement de trucs de merde! Ah, ça va, il perd sa vie vite, mais les mecs vraiment ont pas eu d'idée de gameplay en fait, c'est ça les bails. C'est triste! Mais imaginez un enfant qui joue à ça. Il le vit comment après? Pas très bien, je pense. Hein. Salut. Non mais vous étiez chiant déjà à l'époque. Et vous êtes toujours chiant. C'est fou cette histoire. Harry, tu as failli mourir là quand même.
C'est le fun, hein. J'ai bien fait de faire cette journée. Vous êtes content ou pas? Allez! Y'a pas que ça à foutre. Enfin si. Si, j'avoue, j'ai que ça à foutre. Mais bon, c'est chiant. Non, toujours pas. Je ne veux pas me battre. Fait. J'ai été tué pendant la queue de scène. Alors, j'aimerais savoir, est-ce qu'en termes de jeux vidéo, c'est légal? Est-ce qu'on est bon là ou pas? Salut Angel, au revoir. J'espère que tu vas passer une bonne soirée. Putain, ils m'ont... attends, il faut rouvrir la porte là? Oh les cons. Allez, s'il te plaît, dépêche-toi. Oh putain, j'ai eu peur de tomber dans le vide. Alors le truc, il va se relever, il va s'abaisser là. Ouais, le livre du sort, Incendio. Yes, on l'avait appris l'année dernière, mais je suis content quand même. Ce jeu. Ah, il nous manquera un sort, mais je crois que ce sort, c'est comme celui-là. On l'apprend pas en cours, il faut le trouver quelque part. Mais merde, mais on s'en bat les couilles, du coup. Voilà, je tenais à vous le dire. Voilà, dites tous au revoir à Angel, soyez polis. Voilà, on s'en fout des sorts, on fait pas le jeu à 100%, donc c'est pas grave. Calme-toi, Harry. Tu n'avais pas encore loqué la torche. Bah alors, il a pas voulu s'allumer l'autre. Hop, je suis allé dans le feu 5 minutes. Ah, c'est pas la bonne porte. Ah, mais il y a un truc pas ouvert là-bas. Allumé là-bas. Harry. Mais pas ça, Harry. Ah, mais c'est parce que je mets pas assez d'énergie dedans. Ah putain, non, c'est un truc où faut se dépêcher ou pas? Bon, déjà, c'est moins chiant pour lancer le Incendio. Mais Harry! Par contre, il y a un truc que je comprends pas. Ah, est-ce qu'il y a genre un sens? C'est éteint, ok. Bah, non, mais je comprends pas du coup. Hop. Hop. Pourquoi lui, c'est éteint? C'est bizarre, non? Lui, il s'éteint, c'est bizarre. Incendio. Ok, super Harry. Bon, au pire, on s'en bat les couilles, non? Ah, je ne pense pas qu'on s'en bat les couilles, hein. Sinon cette porte, elle serait pas là. Hein. Qui vient de s'éteindre, du coup lui là il va s'éteindre là. Incendio. Voilà, est-ce qu'il y aurait un ordre? Attends, est-ce que voilà, ils peuvent tous s'éteindre ou pas? Flipendo. Tu peux t'éteindre, merci. On y va. On commence par celui-là. Incendio. Incendio.
Vite, Harry! Non! Je n'ai pas été assez rapide. Oh merde, je me trompe de sort, quoi. Ah putain, on est mort. Est-ce que j'ai pris trop de temps là? Je pense, hein. Ah, il s'est fermé instant. Mais c'est, on est sérieusement en train de galérer là-dessus ou comment ça se passe? Est-ce que c'est la fin du cours ou pas? Est-ce qu'on peut fuir? Quelque chose me dit que c'est pas fini. Hein. Je veux pas paraître méchant. Quelque chose me dit qu'il faut les allumer eux. Il est infini ce donjon? Oh non, pas ça. Mais eux, si on n'a pas de... Ah, peut-être qu'on peut les incendio. Ah oui. Putain, le mec, c'est désintégré, quoi. Enfin, le mec. Je suis gentil, hein. C'est plutôt un vomi, ce truc, mais... Voilà, et je pense qu'il faut allumer ça. Yes. Bon, ça va, c'est facile. Ah, par contre, j'espère que c'est pas genre une course contre la montre hein, et qu'il faut pas se dépêcher parce que sinon on est mal. Alors, on peut y aller, mais attends, comment je vais? Attends, elle est où? Elle est là-bas? Comment j'y vais là? Il saute pas de. Non, mais Harry, tu n'es pas un cascadeur. Hein. Tu le fais là le saut, t'es sérieux ou pas? Ah non, mais ne tombe pas. Attention, Harry. Oh, il le fait! C'est ouf. Putain, finalement, pourquoi on serait... Il y a un truc que j'ai pas dû comprendre. Je pense, hein, mais... Pourquoi on jouerait Assassin's Creed? C'est exactement le même jeu, finalement. Assassin's Creed, on fait pareil, sauf qu'il n'y a pas de sort. Je vois pas l'intérêt. Mais alors eux, c'est le combat les plus nuls qu'on ait fait dans le jeu. Clairement. Eux, ils me rendent triste, en fait. Je suis limite triste de les tuer. Bon, par contre, comment on monte là-haut, là? Je comprends pas. Ah merde, le feu, il est revenu. Si j'allume ça, ça fait quoi, en fait? Ah, mais je sais! Putain, mais je suis trop con. Je suis trop con. Oh non, tu passes pas là, t'es sérieux là? Oh non, alors ça va être chiant. Va falloir retourner l'éteindre, mais je ne sais pas comment on va faire. Ah merde, il était en haut, ok. C'est bon, ça va le faire, regardez. Ah merde, il veut pas loquer d'ici. Oh le con, mais Harry Potter, fais un effort. C'est bon, ok, go, 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 go. Je pense qu'on peut passer comme ça, regarde. Ok. On ne peut pas. Non, mais c'est pas possible. Je vais pas rééteindre le feu 1000 fois, en fait. Voilà, parfait. Je ne comprends pas. Comment... En fait, faudrait... Ah si, il faudrait éteindre le feu et soulever les deux. Comment on éteint le feu? Incendio. Merde. Je sais même pas comment on l'a rallumé, quoi. Ah, mais si. Incendio.
Ok. Bon, on va faire l'autre côté toujours. Et on verra après celui-là. C'est le cours de l'ennui, ce cours. Hop. Allez, là va falloir se dépêcher. Hein. Par contre. Ah, surtout si je le loupe, là on est mal. Ah! Bon, attends, on va attendre qu'il redescende lui parce que. Parce que sinon c'est mort. Hop. Voilà. Allez, cours, 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 Harry, cours. Oh. Oui. Allez, c'est la fin du cours. C'est la fin du cours, vous inquiétez pas. On y va. Regardez, c'est la sortie. C'est le couloir de la sortie. Oh. Ah, Harry, fais un effort, s'il te plaît. Atterris sur tes pattes au moins. Hop, et regardez, hop, on fait ça. Et là, on est bien. Ah, pourquoi il y a toujours la flamme par contre là-bas? On passe au cours. Ce cours est juste très chiant en fait. Pourquoi il y a la flamme ici? Attendez. Je l'allume, lui, il fait quoi? Ah! Ben voilà! C'est illogique, hein. Leur truc, c'est illogique. C'est pire que Tomb Raider, hein, finalement. Et c'est chaud, quand même. Hop! Ah, le luck! Dépêche-toi, 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 dépêche-toi. C'est la fin. C'est la fin. Ne vous inquiétez pas, on y est. C'est bon, on peut sortir, on peut s'en aller, on peut aller insulter le prof. C'était le pire cours de l'année. Mais clairement, c'était juste chiant. C'était, il y avait rien de marrant en fait. Genre vraiment, vous avez dû vous faire chier vous. Ça devait être horrible. Hein. Excellent Potter, 40 points pour Gryffondor. Ah, ça mériterait plus que 40 quand même là. Ce sera tout pour aujourd'hui. Vous pouvez disposer. Vous pouvez disposer. Harry, n'oublie pas que tu as un match contre Serdaigle. Allez, viens, on va au terrain de Quidditch. Ok, on fait le match et après on s'en va. Après, on va tous dormir, vous inquiétez pas. Regardez, je sauvegarde parce que la dernière fois, bon. Voilà, on se rappelle tous de ce qui s'est passé. On peut sauvegarder sur celui-là, c'est bon. On va faire le match contre Serdaigle qu'on va ratatiner forcément. Et après, on va tous dormir, c'est bon. Après, on abandonne Poudlard, voilà. Et on continuera. Je pense qu'on finira Harry Potter en fin de semaine, genre au vendredi ou samedi, je ne sais pas trop. Voilà, je pense que mercredi, on fera du... ou peut-être demain si j'ai envie de stream, mais... si je stream pas demain, c'est normal, c'est pas prévu forcément. Mais je pense que mercredi, on finira Assassin's Creed... on finira pas Assassin's Creed, mais on jouera un peu Assassin's Creed. Samedi ou vendredi, on finit Harry Potter. Et lundi, on commence GTA V, voilà. Mais bon. Avant, il faut finir ce match de Quidditch. Salut Ginny, tu veux me parler maintenant? Elle m'esquive vraiment, quoi. C'est genre vraiment, elle veut juste pas me parler. On dirait Malfoy. C'est normal qu'on dirait Malfoy, le gars en rouge, là.
Par contre, Ron, tu pourras dire à ta sœur que c'est une connasse ou pas? Allons jusqu'au terrain de Quidditch. Oui, mais calme-toi par contre. Calme-toi. Aïe. Ah bah là, parfait, j'ai défoncé le micro. C'est ton chargement, c'est vachement long. Allez hop, un autre petit temps. Ça fait plaisir ou pas? Bon, cette fois par contre on va marcher. On va pas prendre le balai parce que c'était chiant. C'était chiant parce que Harry sait pas en faire hors Quidditch. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas prendre de balai. Voilà. Par contre, dans Harry Potter 3, on peut plus prendre le balai. Bon, ça c'est la mauvaise nouvelle. Par contre, on peut prendre autre chose. Et ça, c'est la bonne nouvelle. J'arrive avant toi. Oh, casse-toi aussi. Putain, Ron. Voilà, voilà, salut. Le dernier arrivé est une plume mouillée, Ron. Bon, par contre, c'est cool qu'on puisse se promener dans le parc comme ça, même si finalement, ce parc ressemblera plus du tout à ce parc dans le 3, mais c'est pas grave, il est quand même cool. Putain, mon ombre, c'est juste une vieille serviette. Putain, vous connaissez la strate de la serviette dans la fenêtre pour les voitures quand t'as des enfants? Tu mets la serviette coincée dans la fenêtre de la voiture pour pas qu'ils aient le soleil dans la gueule. Bah voilà, on dirait cette serviette sur cette fenêtre qui vole au vent et qui fait n'importe quoi. Bah c'est ça, c'est exactement ça. Bon, par contre, si vous connaissez pas cette strat, déjà je suis très triste pour vous parce que c'est vraiment bien. Mais du coup, vous pouvez pas vraiment. Enfin, si, vous pouvez comprendre ce que je veux dire quand même. Vous êtes pas débile, j'espère. J'imagine. C'est parti, Serre d'aigle. C'est l'heure! Ah putain, j'avoue, putain, on pourrait mettre de la musique de Yu-Gi-Oh! Pendant les matchs de Quidditch. Ah non, on pourrait mettre... Mais attendez. On peut mettre la musique de l'étape. Comme si c'était un match de foot. Regardez. On attend qu'il parle et après je vous mets la musique de... Bonjour à tous, bienvenue au second match de la saison. Serre d'aigle contre Gryffondor. Ouais, Harry. Vous êtes prêts? C'est parti. Merde! Allez Harry, on va gagner! Ça rend bien, je trouve! Bon, par contre, vous entendez pas Lil Jordan. Ah! Enfoiré! Moi aussi j'ai un turbo! Hein. Oui! Enculé! Oh! Il va gagner! Il faut qu'il prenne un cognard dans la gueule. On peut pas le taper, nous? Tiens, casse-toi! Putain, y'a un cognard. Vas-y, turbo Harry, turbo. Vas-y Harry, tu peux le faire. Wow. Non. Putain. On était en tête. Oh, on se fait tellement défoncer. Ah, il va avoir le vif d'or. On va perdre. Mais cassez-vous. Allez Harry, un turbo et on gagne je pense. Vas-y Harry, t'es prêt? Pourquoi j'ai été freiné d'un coup? Eh, le script, tu te calmes?
Oh mais non, mais je prends tous les gens dans la gueule. Vas-y, prends. Oh, il faisait quoi sur son balai, lui? On a pris tellement cher. Putain, on va perdre. Allez, Harry. Merde. Un cognard. Oh putain, mais Turbo, t'es où? Ça suffit. Ouais, mais le trappeur de Sardaigle, il me percute. Allez, allez, le Turbo. Allez, Turbo. C'est parti. Non, le cognard, il a niqué mon Turbo. Enculé. Ah, c'est bon, je l'ai. Attention, on attend. C'est parti. Vas-y. Mais il veut pas le faire. Mais non. C'est trop... C'est ridicule. Aïe. C'est du rugby ou quoi? Voilà. Allez, le Turbo, vas-y. Tiens, dégage. Oui. Ah, c'est pas assez. D'où l'attrapeur est au... Putain, mais casse-toi! C'est quoi ce match? Ah! Ça va le faire. C'est parti, ça nous jouer. Oui. Ouais, ils pleureront tous dans la bière au beurre ce soir dans le truc de Sardaigle. Et bah GG moi. C'est tout ce voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. GG moi. C'était un match intense, mais il y avait des choses. Il s'est passé des choses. C'était quelque chose d'assez ouf, j'avoue. Là, on est plutôt bien. C'était pas évident. C'était quand même... C'était quelque chose. C'est rien à voir avec Pouf Souffle. C'était notre combat. Attends, laisse-moi deviner, Ron. Tu veux aller dormir? Quel match! Les Serres d'Aigle n'avaient aucune chance de gagner. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je suis épuisé après avoir autant applaudi. Je vais me coucher. T'es fatigué pour avoir applaudi, connard? Moi, j'ai pris 40 cognards dans la gueule, l'autre attrapeur de Sardaigle qui me fonce dessus, mais tout va bien, t'inquiète pas. Viens, Ron, viens, on fait ça. Viens, on finit notre journée. Viens, on oublie tout ça. Viens, on va dormir. Viens, Ron, on a passé deux longues journées. On va faire dodo, Ron. C'est fini, t'inquiète pas. Ça arrive à se passer, c'est fini tout ça. On écoute Dumbledore nous donner les points. Et on va tous se coucher. Et après, c'est fini. D'accord? Vas-y, Dumbledore, à toi de jouer, rentre en scène. Fais-nous vibrer. Nous calculons le nombre de points des maisons. Serpentard. Est-ce qu'on va gagner ou pas? Mais d'où ils ont presque 100 points en plus? Serre d'aigle. Je sais plus combien de points on avait. Pouf Souffle. Gryffondor. Je sais plus combien Serpentard ils avaient. Serpentard. Oh, mais ils sont en tête depuis le début de l'année. Ça suffit un moment. Finis ta cinématique, hein. Je vais te le dire toute l'année, hein. Eh bah écoutez, c'est ici que s'arrête
ce deuxième stream sur Harry Potter. J'espère que cet épisode vous aura plu, et les épisodes d'avant et tous les VOD, tout ça, YouTube, tu connais. A plus tard, à bientôt, pour de nouvelles aventures d'Harry Potter. Qu'est-ce qui va se passer cette nuit? Tu le sauras dans le prochain épisode. Ciao. Ce jeu, il me casse la tête. En fait, je suis en train de réfléchir et je me demande... Hé, Harry, écoute ça. Oh, il y a une cinématique, attendez. On dirait un vieux journal, il appartenait à T.E. Jeu du sort. Attends, je connais ce nom. T.E. Jeu du sort a été récompensé pour service rendu à l'école il y a 50 ans. Je le sais parce que Ruzard m'a fait astiquer son écusson 50 fois. Quoi? Il t'a fait astiquer quoi, là, Ruzard? Il n'a jamais rien écrit là-dedans. Les pages sont vierges. Je me demande pourquoi on a voulu s'en débarrasser. C'est bizarre. Ce soir-là, Harry alla se coucher avant ses camarades pour pouvoir examiner de plus près le journal de Jeu du sort. Assis sur son lit à baldaquin, il tournait les pages vierges lorsque... Bonjour Harry Potter, je m'appelle Tom Jeu du sort. Sly Cooper! Je suis élève à Poudlard et il se passe... Tu parles à un livre, Harry. Vous savez ce qu'est la Chambre des Secrets? Bien sûr, je sais ce qu'est la Chambre des Secrets. Quand j'étais en cinquième année, elle a été ouverte et le monstre a tué une élève. J'ai réussi à prendre sur le fait celui qui... Oh putain, Sly. Oh putain, je te kiffe. Je peux te montrer ce qui s'est passé et même t'emmener dans mon souvenir de cette nuit-là. Ok. Ok. Harry ne bougeait plus, envoûté par les souvenirs de Tom Jeu du sort. Bonsoir, Rubéus. Mais c'est Gold, en fait. Qu'est-ce que tu fiches ici, Tom? Oh, c'est fini pour toi. Je ne crois pas que tu avais l'intention. Et il y a de la mise en scène, hein. Ce soir. Mais les monstres ne sont pas faciles à domestiquer. Il n'aurait jamais fait ça. Allez, viens, Rubéus. Le moins que Poudlard puisse faire, c'est d'abattre la chose qui a tué la fille. C'était pas lui. Jamais il aurait fait c'est ça. C'est Hagrid. Jamais. Mais il se passe quoi? C'était Hagrid, Ron. Hagrid a ouvert la chambre des secrets il y a 50 ans. Va prévenir Hermione. Je vais voir Hagrid. Qu'est-ce qui se passera la prochaine fois? Qu'est-ce qu'Hagrid va nous dire? Comment va se passer notre nuit? Vous le saurez dans le prochain épisode. Ciao.